Allez, c'est parti, on est le 19 juin 2015, c'est la sortie de l'accès anticipé de FF14 Heaven Sword. C'est super. On va faire ça tout le week-end. Et cette fois-ci, j'ai pas oublié de débrancher mon micro. Et je fais de la merde. Donc, je vous mets le jeu. On est déjà à l'intérieur du jeu parce qu'il a fallu que je fasse la queue pour rentrer. Mais ça va, il n'y avait pas tellement de monde que je pensais. Donc on commence direct par les nouveaux tutos des nouveautés. L'atelier pour la compagnie libre, ça c'est cool. Faut aller à l'officier du logement. Bon, on va y aller. J'ai récupéré mon chocobo, donc je crois que je l'ai. Ouais. Alors, que je remette tout en place, un peu de bordel. Ça, c'est un peu de bordel. Hein. J'ai pas pris le temps de préparer. J'ai sorti direct le jeu. Allez, il y a un truc qui va pas encore. Et un truc qui va pas. Voilà. Ah, encore un souci de son. J'entends plus rien. Voilà. Hop. L'officier du logement est là-bas. On s'en fout, c'est pas lui, l'officier du logement. Bonjour. Alors j'ai toujours la... Ok, ça marche, tout marche. S'informer. Ça, je suppose. Ah, aménager l'atelier de compagnie. Alors, ce salon de maison. Oui. Les années qu'on tient, on aura la possibilité de construire divers objets. Oui. Oui. Merde. Je suis tout seul dans la compagnie libre. On va se marrer. Oui. De combien? D'accord. Ah, il aurait pu dire tout de suite que j'aurais pu lâcher dans la maison. Hein. Voilà. C'est
sais pas encore. Pourquoi ça rame? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? C'est les autres pièces, voilà. Donc, 800. Oh, bon, ça va, j'ai largement. Ouf, c'est grand. Bonjour. Oh putain. Donc on accède au coffre. Dans votre position d'éléments SR de formule en d'accord. D'accord. Donc on va fabriquer les éléments et ensuite on aura un plan, un permis et on pourra décoller. Alors, aéronef, logement, aéronef. D'accord, on va faire des lamelles de bambou, des trucs de boîte partout. Ouais, c'est toi Middle, tu fais chier. Ok, donc il va falloir plein de machins de mer. Ok, on va se marrer. Tour et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tour et T1. Monsieur, c'est quoi la tour et T1? Je sais pas. C'est là-dessus que mon aéronef va être construit. Super. J'ai eu peur qu'on pouvait pas grimper. Ok, bon, c'est cool. Quoi ça? Ok, donc si on passe de tour et terrien, coque passage, ok. Il comprend pas tout encore, hein. Ce sac dispose de deux emplacements pour charger des tours euro et terrien. D'accord, je suppose que c'est des. Ouais, c'est des genre des armements, peut-être, non? Coque machin, truc machin, chose. Ok, rivet, machin, bon, de toute façon les crafts on verra plus tard, hein. Apparemment ça va coûter du pognon. Et je viens déjà de dépenser 800 000 crédits, donc ça va aller, hein. Allez, on va faire les quêtes, on va faire les aventures. On est là pour ça. Mais depuis quand Twitter démarre tout seul les vidéos qui ont les tweets là? Ça fait chier, ça prend de la mémoire pour rien. Donc, je sais pas où est-ce qu'il faut aller, parce que, résumé de l'épisode précédent, nous sommes un aventurier du héros de la lumière. Nous avons sauvé Urzea à peu près 152 355 667 fois. Sauf que, à la fin de Ruel Reborn, je le dis pas bien, on va dire ARR, les méchants commerçants de Hulda ont assassiné l'impératrice de Hulda et ils m'ont mis tout sur le dos, évidemment. Résultat, ça a été la chasse aux sorcières de notre groupe d'aventuriers dans l'aventure. On a plein d'aventuriers qui, a priori, sont peut-être morts, peut-être pas morts, on sait pas trop. Et donc, on est censé aller se réfugier à Ishgard, la nouvelle zone. Attends, je peux crafter des nouveaux trucs. Oui, bah oui, sinon je peux crafter des nouveaux trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est nouveau là-dedans? Donc là, on a toutes les nouvelles classes, donc ça, on va pouvoir monter après.
Évidemment, premier objectif, c'est finir l'aventure principale et level 60 avec mon barde. Hein. Ok. Ok. Où c'est les argent? C'est vrai qu'ils avaient déplacé les trucs, mais je sais pas où. Ah si, il faut aller là et je sais pas où. Ah, devise. Voilà. Ok. Donc ça c'est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? Hop, compagnie, je suppose que personne n'est là. Hein, pour changer. Voilà. Ok. Bon, là ça a rien changé. Là c'est toujours pareil. Le journal de quête. Il n'y a pas, donc on va aller. Hauteur du Coertas. A mon avis, c'est là qu'on reprend, puisque c'est là qu'on avait arrêté. Donc, hauteur du Coertas central. Je crois qu'il n'y a pas du tout de monde à cet endroit. Alors, quête. Est-ce que je vais voir l'autre schmurbe là-bas? Comment s'extension? Ah bah voilà notre première quête. Allez, c'est parti. Il me faut quoi? Il me faut 864 000 XP, genre 84 000, ok. On a les voix, hein. Pour une fois, déjà ça commence bien. Bon, on ne les aura pas tout le temps comme d'hab, hein. Mais au moins les premières qu'on entend, il y a les voix. イシュガルドの地で再起をという祟りの言葉にも一理あるとは思う。君とタタルだけでも彼の地に赴き、私はウルダハに戻って。焦りは禁物ですぞ、アルフィノ殿。オルシュファン殿。 ウルダハの動乱の真意を解明し、身の潔白を明らかにしたいのは理解できます。しかし、このような苦境にあればこそ、焦りは禁物というもの。それにあなたには、頼もしい仲間がおられるでしょう。 そうでしたね。私はもう一人ではないんだ。朗報を持ってきましたぞ。我がフォルタン家当主エドモンド・フォルタン伯爵がお三方の後見人となることを申し出てくださりましてな。 Cool. これにより、お三方は
イシュガルド四大名家の一つ、フォルダン家の庇護下に置かれた正式な客人としてコートに入ることが可能となりました。まずは本家の屋敷を拠点に情報を集めながら今後の方針を固めるといいでしょう。反撃の狼煙を上げるのはそれからでも遅くはありません。わかりました。ではご好意に甘えさせていただきます。感謝いたします、オルシュファン殿。Oh, cette tête.当主はアイメリク総長と同様に話のわかるお方だ。きっとお前にもいい対応をしてくださるだろう。後ほど会おうぞ、友よ。行こう。千年の戦を続ける聖教の都、コート・イシュガルドへ。Go。暁の思いを無にしないために、私たちの戦いをもう一度始めるために。Changer le, la musique des accepter les quêtes. Okay. Ok, oui, bon, ça va. Ok, merci. Go! Je crois qu'ils sont déjà tous en train de farmer les aléas. Mais faites les quêtes, les mecs. C'est le bon stuff, hein. Ouais, c'est bon. Je vais décoller. Mec, c'est naze. Tu me diras, à terme, je me TP dedans. Hein. Ne vous inquiétez pas, je m'installe pour la séance de farm. その者はわずかな友を伴いやってきた。陰謀により血で汚された祝賀会を出したかつての英雄はあらぬ汚名を着せられ今や追われる身である。それでもなお再起を信じ
失われた仲間と希望を探し求め、彼らは歩み続けていた。Je vais quand même lire les sous-titres, j'étais pas sûr, mais... Ochita Eiyuu ga otozureta no wa Hoppou no chi Kurzas o ryou suru yama no miyako Ishugarudo Kokkyou oイシュガルド聖教の長たる教皇が王権を有し、先人ハルオーネを主神とする宗教都市国家である。四大名家率いる貴族たちが剣と槍を掲げ、旧敵ドラゴン族から都市を守り戦い続ける。竜子戦争とも呼ばれる千年もの果てなき戦いを。固く閉ざされた大神門の扉を開き、歴史あるコートに足を踏み入れた光の戦士たち。Par ici le barbecue. 彼ら異邦の者たちの到来が千年の歴史を揺るがす変革の始まりとなることを、この時知る者はいなかった。C'est bon, on s'est pas trompé l'extension. C'est bon, on va juste traverser le truc là. On peut toujours pas tomber. Oui, je teste. Tout ça, la cinématique. C'est un menu. Bah, je veux bien te suivre, mais tu viens de te téléporter, je te vois plus. Ah, il est hérite. Allez, on va faire ça direct. Ah ouais, du monde. Ok, on va changer de favori. À la place... Bon, elle lime ça, parce que je passais par la maison, ça. Ah, bon. Quoi ça? Ah, c'est le truc. J'ai une icône bizarre sur mon truc. Alors, faut aller où? Là-bas. Faut passer par. Là en bas, super. Faut passer par où? Faut passer par où? Par là. Bon, attends, attends. Voilà, allez, on vite. Oh, c'est cool, hein. Alors, une harmonisation. Ça, c'est une quête. Je peux pas faire, je sais pas pourquoi. On va voir.
Niveau 53, d'accord. Oui, bah, oui, bah d'accord, minute. Hein. Tableau des contrats du clan. D'accord, oui, bah oui, bah oui, je viens d'arriver. Alors je suppose qu'on passe par là en bas. Non, pas. Il y avait une été un truc là-haut. Où c'est tout là-haut. Pour rien, leur plan, on va se marrer. La ville chiante. Alors. Il y a des mecs qui sont suicidaires. Hein. Je suis nouveau au début là. Ah bah il y a une éthérite. Voilà. Bon, allez. D'astromancie, d'accord. Donc on va débloquer l'astromancien avec ça. Tout à fait. Donc, le mec qui est tout seul dans son école d'astromancie, bon, il y a à peu près 15 000 personnes qui veulent y aller, mais bon. Quête, on la fera pas, mais au moins que ça dans l'inventaire. Dans ce live, moi, ce petit détail est réglé. Mais il faut que j'envoie une invitation. Oui, je vais lire, ça m'occupe. J'envoie une invitation au professeur Charanet pour qu'il
viennent de collège, mais ils ne semblent toujours pas avoir répondu alors qu'il est. Peut-être pourriez-vous interroger l'astrologue autour de nous afin de comprendre davantage que la bénédiction des étoiles soit sur vous, mon ami. Ok. On fera plus tard, hein. On sait qu'il faut faire, on sait quoi. Hop. Là c'est quoi? L'aérodrome. Ok, ça c'est pour passer dans notre ville. Ensuite, là on n'a rien, on n'a rien. Ok, bon, alors on va passer par, par là, comme ça on fera cet atterrit au milieu. Oui, j'ai plus mon truc là. Hop. Non, pas par là. Je crois que c'est par là. C'est beau quand même. Un peu gris, mais c'est beau. Ah ben non, mais je ne pouvais pas changer de zone. On va passer par là. Ouais, il y a même les accès handicapés, ouais, hein, la rampe. D'où tu cours plus vite que moi, toi? Donc, attends, avant d'aller te faire toi, je vais aller prendre mon éthérite là-bas. Ah, mes amis, vous voilà, quel plaisir de voir sous le sol de la ville dans laquelle j'ai grandi. Je te vois pas. Je suis vraiment heureux de pouvoir enfin vous accueillir dans mon humble demeure. Voici le manoir des Fortans, une des quatre grandes familles ishgardaises. Sans perdre plus de temps, laissez-moi vous conduire à l'intérieur et vous présenter au comte Edmond de Fortan, le maître des lieux. Par ici, je vous prie. Voilà, j'ai fait ça, j'ai 48 000. Tout va bien. お、到着したか。よくぞおいでになった暁の方々よ。我が名はエドモンド・フォルタン。お初にお目にかかる。歴史あるフォルタン家の家名を継ぐ者として、一同皆様の来訪を心より歓迎しますぞ。 お会いできて光栄です、閣下。この度のお招き、誠にありがとうございます。礼をせねばならぬのはこちらの方というもの。イシュガルドの民を代表し感謝の意を示させてもらいたい。しかし、戸様の しかも、汚名を着せられた我々を客として迎え入れることに問題はないのでしょうか。アルフィノ殿は心配性でいらっしゃる。確かに我らが皇と石ガルドはドラゴン族との戦いに専念すべく門戸を閉ざしてきた。だが私はこうした南極にあればこそ 国外の勢力と手を取り合うべきだと考えている。無論、教皇庁の内部や他の四大名家の中には、貴殿らの訪問に眉をひそめる者もおりましょう。なればこそ、エオルゼアの救済のために活動する貴殿らの行動によって、誤解を解いてもらいたいのです。
爵閣下のお言葉を聞き安心しました。仲間がチリジリになった今、できることは限られましょうが、閣下の思いに応えられるよう務めさせていただきます。それはありがたい。そうですな、まずはコートの暮らしに慣れるためにも都市内を見回ってきてはいかがかな。あ、ouais, allons faire le touriste. Avec sa foutre. イシュガルドで何をなすべきかを考えるのはその後でもよろしかろう。C'est du level 115, carrément direct. Justement suggérer le comte de Fortin, je propose que nous fassions le tour d'Ishgard avant de nous familiariser avec la topographie des lieux. Même s'il fait preuve de la plus grande hospitalité à notre égard, cela nous laisse de faire des efforts nécessaires pour faire avancer les choses de notre côté. Pour cela, il me paraît essentiel que nous connaissions la cité sur le bout des doigts. Trop bien. Non, ça n'a rien. Ouais. Vous avez raison, nous avons besoin de savoir où se trouvent les marchés pour faire nos courses, d'apprendre à nous servir des moyens de transport sans oublier de nous familiariser avec les endroits où on peut s'informer. Moyens de transport, genre quoi? Exactement, plus nous serons sur Ishgard et ses coulisses, plus notre action sera efficace. Bon, nous allons suivre votre conseil et partir à la découverte de votre cité. Voilà qui me semble être une sage décision. Mon serviteur vous accompagne et se chargera de vous guider au cas où vous viendrez à vous égarer. Bon oui, on se va vachement se perdre. Oh, j'allais oublier, le plus important, il y a quelque chose que j'aimerais vous remettre. As-tu préparé ce que je t'ai demandé dans ce cas de nous en à chacun de nos invités? De quoi donc? Tout de suite, monsieur le comte. Sont la preuve que vous êtes des invités officiels de la maison Fortin. Ok, bon déjà on nous foutra la paix comme ça. Comme vous le savez, les portes en cité sont longuement restées scellées et la plupart des îles gardiennes ne sont pas habituées à côtoyer les étrangers. Si certaines personnes... Ils vont être surpris avec les 15 millions de personnes qui viennent de débarquer. Si certaines personnes devaient vous manquer de respect ou se montrer désagréable envers vous, vous serez de montrer ces documents pour qu'on vous laisse en paix. Considérez-les comme un talisman protecteur.
Votre attention nous touche. Monsieur le comte, soyez assuré qu'en aucun cas nous ne commettrons des actes susceptibles de déshonorer le nom de votre famille. Dans un tatao, il est temps de découvrir la sainte cité d'Ishgard. Oui, chef. Nous allons visiter le Hoplon, la place où se trouve la voûte. Le centre des affaires politiques et religieuses d'Isgard. On peut dire que c'est le cœur de la Sainte Cité. Ensuite, je vous emmènerai au Crosseron précieux. Au Crosseron précieux, où vous trouverez toutes les boutiques à même de satisfaire vos besoins les plus divers. Puis à la place de l'Éthérite, où vous pourrez vous déplacer rapidement aux divers endroits de la ville. J'ai déjà fait ça. Ok. Attends, j'arrive. Mais arrête de téléporter! Pourquoi je sais plus où t'es? Là-bas. Ta 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 ta. J'ai une VLC qui part en couille. J'espère que le stream va bien. J'espère que tout va bien en fait. Nous sommes au Hoplon, la plus grande place de la cité. Elle tient son nom de l'imposant bouclier de bronze que porte notre protectrice, Alon la Conquérante. Mais Alon, je crois que c'est ma déesse aussi, Alon, il me semble. A voir. Quant au majestueux bâtiment qui nous domine, la voûte, c'est l'endroit où sont prises les décisions importantes de la politique ishgardaise. Ceci là que réside l'archevêque Tordan VII. Tordan VII, chef de l'église orthodoxe ishgardaise et le premier dirigeant de notre cité. Ça y est, on fout déjà des églises et des machins, ça va me faire chier. Les statues au sud de la place représentent-elles les 12 chevaliers du roi Tordan? D'accord. Putain, ils ont du stock de statues. Hein. Exactement, messieurs Alfino. Les 12 braves chevaliers qui ont combattu aux côtés du roi Tordan pour vaincre Nidhogg. Alors Nidhogg, c'est un ancien grand dragon. Nous les considérons comme les pères fondateurs d'Ishgard. Notre cité est riche d'histoire et de tradition, et vous pourrez en apprendre plus en explorant les contreforts si le cœur vous en dit. Permettez-moi maintenant de vous guider au Crosseron précieux. Là-bas, je vous présenterai la dame Elès. Hélès, qui jouit d'une grande influence dans les quartiers marchands. Mais attendez-moi! Vous êtes cassé où là? Là-bas, d'accord. Pas du tout dans le sens que je les ai vu partir, mais tout va bien. Ah, une éthérite ici aussi. Donc, pourquoi c'est par en dessous ou par au-dessus, je sais pas trop. Je vais paniquer. Faut descendre. Faut sauter. Ouais, ça va. Et ensuite, faut aller là en bas. Coucou. Et encore une territe. Allez, bon, ça fait à peu près une heure, faut que je fasse un truc vite fait. Je coupe la VOD et on reprend tout à l'heure.